Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sifano et on se retrouve dans ce deuxième épisode de Mario Galaxy. Comment on pourrait appeler ça, les étoiles vertes? Ouais bon, je trouverai un nom de toute façon. En tout cas, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, je suis un petit peu moins malade, en tout cas au niveau de la gorge. Le nez c'est toujours pas ça, mais au moins au niveau de la gorge c'est un petit peu mieux. Et j'ai du courrier, attendez, on va aller voir le courrier. Qu'est-ce que tu veux? Une lettre de la princesse Peach vient d'arriver, des années-lumière nous séparent à l'heure qu'il est. Je sais que nous reverrons bientôt, si j'ai un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'elle va me donner? 5 vies! Ah bah voilà! Magnifique, quelle noblesse! Merci d'utiliser les services de Toad Factor. Alors! Dans le premier épisode, je suis passé à côté d'une étoile et apparemment elle était vraiment juste à côté. Ah oui, c'est cool, ça envoie la galaxie. On peut voir qu'il reste des étoiles absolument partout pour le moment. Donc, on va revenir dans le monde 1 et ici. À la station stellaire, en fait, je suis passé à côté d'une étoile verte qui était vraiment juste à côté, visiblement. Donc on va voir ça, comète farceuse repérée. Alors je me suis un petit peu informé, elles sont dispersées apparemment un petit peu partout dans les niveaux, c'est juste moi qui suis un petit peu à l'ouest, voilà, très clairement. Il y a le fait aussi que, en fait, si je dis pas de conneries, mais vas-y, refais-moi ton speech. Je peux pas passer ça? Non. Il y a aussi le fait que, par exemple, la deuxième étoile verte va pas forcément se situer... donc celle-ci je l'ai, hein. Va pas forcément se situer dans les mêmes chemins. C'est-à-dire que, vous vous rappelez que selon qu'on fasse la première ou la deuxième étoile, normale, là je parle, eh bien, c'est pas forcément les mêmes routes qui sont disponibles. Bah, c'est pareil pour les étoiles vertes, c'est pour ça que si je trouve pas la deuxième, je trouverai peut-être pas la troisième dans le même monde. Tout simplement, enfin... dans le même stage entre guillemets, parce que j'ai pas accès au bon chemin. Donc là je vais pour chercher la deuxième et je ne sais pas du tout où est la troisième. En tout cas la deuxième, de ce que je sais, c'est que on est passé juste, mais pour le coup vraiment juste à côté. Elle est sur cette île et on le voit lors de la cinématique, vous allez voir. Non mais c'est complètement, et alors pour le coup complètement pété. De toute façon cette série va être extrêmement décousue. Ça s'est vu rien que dans le premier épisode, j'en ai chié. En général les premiers épisodes de mes let's play sont assez je pourrais dire calme. Là c'était pas le cas du tout. Là c'était déjà le bordel. Et donc regardez, elle est, je l'entends, elle est là. Elle est juste là quoi. C'est abusé. Donc on va la récupérer dans un premier temps. J'aime bien la petite musique. Enfin la petite musique, les petites notes de musique quand tu les récupères. Donc pour récupérer ça, attendez, elle est encore plus haut, ok. Donc il va falloir grimper. Yep. Et ensuite, voilà, juste ici. C'est vrai qu'en plus, si tu mets le son, tu l'entends quoi. Et je me suis fail. Comment c'est possible de mettre fail? Genre, j'ai frôlé le truc. Mais quoi? Sans déconner. Attendez. Attendez, on va passer par là, ce sera plus rapide. Non, parce que faut pas exagérer non plus. Hein. On va y arriver, vous allez voir, on va arriver à passer. Hop. Donc, c'est bon, je l'ai. Oh voilà, faut se jeter dans le vide et puis après après YOLO. Donc voilà, deuxième étoile de ce monde récupérée, ça nous en fait 5 en tout. C'est pas mal. C'est pas dégueulasse, hein, ça va. Ça aurait pu être pire. Voilà, nickel. Et ouais, il y a ce système de sauvegarde automatique. Parfait, très bien. Ouais, je vais, pour être 100% transparent avec vous, lors du premier épisode, après l'avoir tourné, je me suis dit, ouais, j'étais peut-être un peu trop malade, je vais le refaire et tout. Et puis je me suis aperçu que vu qu'il y a la sauvegarde automatique, j'étais baisé. Mais au final, le fait d'être naturel, c'est toujours ce que j'ai recherché. Mais je sais pas, vu que j'étais très malade la dernière fois, surtout au début, j'avais la voix en mode... Et de base, il fallait que je tourne. Et puis après, au fur et à mesure que j'ai tourné, et ben, la voix s'est décantée. Ah, donc voilà, ça confirme que là, on va pas avoir accès aux mêmes endroits. On va pas avoir accès aux mêmes stages. Enfin, aux mêmes parties du stage. C'est un stage différent dans le niveau, voilà, on va dire ça comme ça.
Donc c'est plutôt cool pour le coup, parce que du coup, je me souviens qu'on avait fouillé partout la dernière fois, qu'on n'avait pas trouvé que ce soit la deuxième ni la troisième. Et là, en théorie, il y a des chances qu'on la trouve, la troisième étoile, vu que c'est pas du tout au même endroit. On va voir ça. Écoutez, alors déjà, il faudrait que je casse ça. Fais-moi sortir de bien avoir une clé. Genre là-dedans. Alors oui, il faut que je fasse ça comme ça, c'est vrai. Hop, pas du tout le bon truc. Mais en tout cas, encore une fois, je sais que je me répète, mais quel... Oh bah parfait. Quel kiff, vraiment. Quel plaisir de retourner sur ce Mario. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. 2 ans, hein. J'ai beau le redire, mais 2 ans, c'est ouf quoi. Donc, par ici. Surtout que je les vois pas passer les 2 ans, c'est ça. Eh, excuse-moi. Vas-y. Merci, je vais me changer en étoile. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop, on est parti. Pardon. Donc, elle serait dans le coin, a priori. Puisque c'est ça qu'on me montrait sur la ciné... Enfin, non, ceci étant, faut pas que je me fasse avoir, en fait. Ce qu'on te montre via la cinématique, c'est pas forcément... C'est le stage de base, c'est pas les stages avec étoile. J'entends une étoile. Je l'entends. Ah, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, ok. Bon, déjà, on sait où elle est. Et c'est moi où ce début d'épisode se passe beaucoup mieux que le premier. Franchement, je trouve. Ça fait plaisir. Comment je rentre? Il y a une trappe normalement, non? Ok. À la recherche de l'étoile. Alors par contre, pour y aller... Ok. Je sais pas du tout si je suis du bon côté. Hop. Aïe. Ah, je crois que j'y arrive, non? C'est là. Yes. Non. Yes. Ah voilà. Eh. Comme un pro. Comme un pro, au final. Le premier épisode, c'est parce que j'étais malade et tout. On va dire que j'étais pas trop dans mon assiette. Voyez. Et puis là... Là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Galaxy terminée. Parfait. Et donc là, c'est vraiment Galaxy en or terminée. Donc, c'est nickel. Et bah écoutez, on est parti donc pour la suite. Voilà. Et là, en plus, on a même plus d'icônes, rien du tout. Donc, on va refaire maintenant les trucs ici. On va fouiller un peu plus loin. Vu que je sais que je peux les trouver... Un petit peu comme je veux. Enfin comme je veux. C'est pas genre récupère tant de trucs etc. Ça passe. Ça passe toujours. Des étoiles vertes. Oui. Donc étoile verte numéro 2. Ça se trouve ça va pas me débloquer les mêmes chemins en plus. Alors pour le moment c'est les mêmes chemins. Celle d'en haut on l'a déjà eu. Peut-être qu'il va falloir que j'utilise Yoshi cette fois. Ce serait pas une mauvaise idée que j'utilise notre ami Yoshi. Tududum. On est parti. Bienvenue dans la galaxie, ouais. Alors, défonce ça. Défonce-les tous. On va aller chercher Yoshi tout de suite. Et on va avancer dans le niveau tout en fouillant bien partout. Très clairement. On va vraiment tout bien fouiller. Ah oui, le Kamek, c'est vrai. Genre. Ok, t'es mort. Deux. Et du coup, ça débloque Yoshi. Parfait. Donc, Yoshi, Yoshi. Comment il marche déjà lui? C'est bizarre. Il est pas censé pouvoir attraper quelque chose avec avec sa langue. Je ne sais plus, tiens. What? Je sais plus comment fait Yoshi. Il me semblait, j'étais persuadé que Yoshi pouvait... Ah, attendez, c'est peut-être ça. Non. Eh bah écoutez... Pointez l'écran. Ah, voilà, c'est parce qu'il faut pointer, c'est ça. Ok, on est bon.
Bon, du coup, celle-ci, on l'a déjà eue. Donc, ça m'étonnerait que la deuxième soit aussi proche. Elle doit être un peu plus loin, je pense. Hop. On récupère les fruits. Ça se passe bien. Et c'est tellement beau, c'est tellement mignon. Oula. Lâche. Au secours. Au secours. Je la vois. C'est une blague, je la vois. Regardez, elle est là-bas. Suivez mon pointeur. Comment je fais pour me débarrasser de ce truc? Voilà, ok. Je la vois. Ok. Bah, elle était vraiment juste à côté. Alors, attendez. Comment est-ce que je fais pour la voir? Est-ce que vous pensez que là, je passe? Je passe, nickel. Bon. Ah bah elle était juste à côté celle-ci aussi. Franchement, globalement, comme je disais, voilà. Si on galère pas sur une en particulier, comme je disais lors du premier épisode, si on galère pas sur une, ça devrait aller normalement plus vite à récupérer quand même. Parce que vous voyez, c'est au début des niveaux, etc. Ça passe. On a déjà récupéré 3. Donc c'est parfait. Yep. La partie a été sauvegardée. Oui. Alors, continuons. Est-ce qu'il m'en reste... Oui, il m'en reste une. On est bien. En fait, ça aurait dû être ça, le premier épisode. Vous voyez, là, on gère bien. Normalement, tu galères après, tu galères pas au premier épisode. C'était le temps de se refaire la main, on va dire. J'espère que j'en aurais pas trop fait fuir certains. Enfin, bon. Du coup, là, on est encore une fois au même genre de niveau. Ah... On est encore une fois au même genre de niveau. Ce qui veut dire que ça devrait normalement, normalement je dis bien, être tranquille. Alors à voir. Être tranquille, donc ça veut dire aussi qu'elle est plus loin que les deux autres. Donc pour le coup, en fait, si j'avais insisté sur ce niveau là la première fois, au lieu de dire je sais pas, je me renseignerai, et ben en fait on serait déjà peut-être plus avancé. Et le premier épisode aurait été un peu moins décousu, très clairement, vu que bah il y avait tout ici qu'on aurait déjà pu en obtenir minimum 2, 3 de plus peut-être. Alors on va avancer. Avec ça tu pointes, si je peux me permettre. Pardon. Non, ça tu dégages. Ok. Alors le téléporteur. Je sais plus s'il faut que je prenne le téléporteur. Ou s'il faut que j'aille là. En tout cas, on va bouffer eux. Alors, je me concentre pas trop sur les pièces et sur là, les fragments, hein, clairement. Avec la langue de Yoshi, tire sur le feu en reculant. Voilà. Je me concentre pas trop là-dessus pour le moment. Enfin, pour le moment. On l'a déjà fait, donc... c'est plus une manière de compléter le jeu à 100%, quoi. Et là, un petit checkpoint. Donc, à partir de là, on va vraiment commencer à fouiller. On tombe sur... Yeah, des pièces. Nickel, je prends. On va vraiment commencer à fouiller tout. Attends, 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 attends. Non, il y a l'air de rien y avoir ici. Je l'aurais vu sinon. Normalement, je l'aurais vu. Ok, toi tu meurs. Là, il n'y a rien d'autre, hein. Je deviens parano. Ah non, il est ici en fait. Je vais vraiment devenir parano de toute façon. Est-ce que là je peux passer avec Yoshi? Non. Merde. On va repasser. Hop. Là on peut passer. Y'a rien ici. Ah là on peut passer. J'ai pas envie d'abandonner Yoshi, moi, très clairement. Il nous aide bien. Il nous aide bien. Hop, toi tu dégages. Oh merde! Non, reviens! J'ai fait. C'est une blague? J'ai fait une connerie? Ok. Vas-y, de la vie. Ouh! Quelle galère! On a failli faire une connerie. Ça, je peux rien faire non plus. Non, ça, je peux rien faire. Hein. Je redécouvre. Hop. Du, 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 du.
Voilà, et donc là, il me semble que... Ok. On continue. Attention à lui. Le petit checkpoint qui fait plaisir. Ouais, ce que j'allais dire. Reviens ici, mon petit. Ok. On va tirer là-dessus. Ah oui, ok, faut que j'avance. J'ouvre ça. Toi, tu dégages. Alors, on récupère de la vie, attention. C'est le bordel et je ne vois pas d'étoiles pour le moment. Je flippe un peu, je ne vois pas d'étoiles. Hop, vas-y, passe. Je reste vraiment attentif, hein, mais... Je me rends pas du tout compte. Attendez, faut que je tire ça. Je prends, nickel. Pardon. Donc attendez. Go! J'adore la musique de fond, par contre, ça y a pas à chier, j'adore. Oh mais non, vas-y, j'étais dessus. Yoshi! Ok. Donc là, on va pas se faire avoir deux fois. J'entends une étoile. Je l'entends, je crois. Ou alors c'est... Ou alors c'est les fragments, je sais pas. Ah non, j'entends, regardez, ça c'est l'étoile. Attendez, je vais pas faire de bêtises. Je crois que c'est l'étoile de base, ça. Pas celle qui m'intéresse. Ok, ça c'est l'étoile de départ. Ah, attendez, faut pas que je me fasse avoir. Est-ce qu'il y a pas... Ah! Olé! Parfait. Nickel. Ah, elle était fourbe, celle-ci, elle était vraiment, vous avez vu, elle était vraiment tout à la fin, celle-là. Ah, la vache. Ah ouais. Faut faire gaffe, quand même. Il faut faire gaffe. Bon, on va continuer encore un peu. On a déjà eu 4, une petite cinquième au moins. Je sais pas ce que vous en pensez, une petite cinquième. Du coup, je propose de retourner à l'endroit... Là, on a fini, il me semble. Ouais, ici, on a fini. Donc, soit là, mais c'est la merde... Soit ici, on avait eu la première, on s'était arrêté. Ensuite, on va aller voir s'il n'y en a pas d'autres plus loin. Enfin, si, il y en a forcément d'autres plus loin. Je dis une connerie. Mais vous avez compris l'idée. Alors, hop, étoile verte 2. Donc là, on entend évidemment, comme d'hab, parce que c'était celle qu'on avait déjà eue. Donc, concentration. Ok, donc, on est parti. Wesh. J'adore la musique. J'adore toutes les musiques, de toute façon. Alors, c'est forcément, vu qu'on l'a entendu dans la cinématique, c'est forcément plus loin. Vu que c'est le même stage, entre guillemets, c'est les mêmes routes. C'est forcément plus loin. Tu m'as fait peur. Go! Alors, nous on était là la dernière fois. Là on l'a eu. On peut revérifier. Ouais, on la voit, elle est transparente. Ok. Donc maintenant l'idée. Vas-y. L'idée c'est d'aller plus loin. Si je fais ça, je remonte tout là-haut. Nickel. Et ensuite. Ah ouais, comment je fais pour aller plus loin? Raté. Ah là. Ok. Et donc ici, tu arrives. Et tu fais ça. Magnifique. Bonjour. Ouais, mais comment tu as fait pour arriver ici? D'autres Lumas t'attendent plus loin. Comme ça. Allez, go. Non, c'est une blague. Et j'ai fait... Ah oui, d'accord, j'ai juste... Je reviens. Ne vous inquiétez pas. Ah bah c'est bon, très bien. Go. Alors un petit checkpoint, alors ici. Ici faut faire gaffe. Je peux pas aller en dessous ici, il me semble. C'est du fake. Ah, quoi que je peux aller dedans. Est-ce que je peux aller dedans? Peut-être. Alors attendez, on va passer là déjà.
Ok, donc là c'est bonus. On va les buter quand même. Dégagez. Allez, on dégage, s'il vous plaît. Merci. De la vie. On prend la vie. Ok. On récupère tout ça aussi. Tant qu'à faire. Ça se trouve, il y aura des goinfres Luma qu'il faudra nourrir pour avoir les trucs, je ne sais pas. Aïe. J'entends une étoile. J'entends, attendez. Ok, elle est là. Très bien. Alors du coup, comment la voir? Ah, ok. Eh, attends. Quoi? Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. Faudrait pas que je fasse un... Parce que de la même manière, dans l'endroit de la dernière fois, vous savez, là où les plateformes changeaient, moi je faisais ça. Alors qu'il y a mieux à faire, tu fais un triple saut. Comme ça, genre. Vous voyez ? Et je pense qu'avec ça, on pourra l'avoir d'ailleurs. Mais alors du coup... Je pense qu'il y a moyen. Oh là 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 là. Attendez, c'est chaud. Non ! C'est horrible. Attendez. On va y arriver. Elle est juste là. Au pire, attendez, je peux le tenter en mode comme ça, mais... Là, vous voyez, je suis trop loin. Là, vous voyez, voilà, c'est exactement le même problème qu'on avait sur la plateforme. Donc, il faut que je fasse un triple saut, c'est forcément ça. Il faut que je fasse mon triple saut. Ok. Go. Et on va prendre le champi à chaque fois. Ce serait dommage. Alors là, par contre... Eh, mais du coup... Ah. Comment vous voulez faire? Oula, oula, oula. Attendez. C'est chaud. C'est trop chaud. Ok, c'est ça. C'est ça, on l'a vu. Très clairement, ça marche. Là, j'arrive à bonne hauteur. J'étais juste trop devant. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est que ça m'aidera aussi pour... Yes. Ça passe, et donc ça passera aussi pour l'autre endroit qui nous bloquait. Magnifique. Génial. Juste génial. Bon, voilà. Et du coup, 129 étoiles sur 240. Quand même, ça va être un peu la galère, je le sens. La partie a été sauvegardée. Bon. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme je vous avais dit, voilà, c'est des épisodes de 25 minutes. Pourquoi d'ailleurs 25 minutes environ et pas plus? Tout simplement parce que je prends un petit peu d'avance pour les vacances. Donc c'est 5... si je gagne 5 minutes à chaque fois, bah mine de rien, je vais économiser pas mal de temps au bout d'un moment. Et parce que globalement, je trouve que, de manière générale, sur un jeu coloré, du 25 minutes c'est bien. Vous voyez, surtout sur un Mario comme ça où c'est, entre guillemets, répétitif, on fait toujours la même chose, des étoiles, des étoiles, des étoiles. Donc... Je trouve ça pas trop mal du 25 minutes. Voilà, c'est un truc détente. C'est pas un truc voilà où on va s'acharner pendant 35-40 comme parfois. Sur un jeu plus sombre, je dis pas. Mais sur un jeu détente comme ça, je trouve ça bien. C'est le bon format. Puis c'est toujours variable. On pourra monter à 30 si jamais je galère à avoir un truc, hein, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Bref, voilà, vous avez l'explication. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt, dès demain, pour la suite de notre aventure sur... Mario Galaxy 2, la conquête des étoiles vertes. Sur ce, à bientôt, bye bye.